Merci. Portrait de Merci. Quartier. Micro tendu par des enfants d'Ivry. Épisode 4. La recette secrète de ma mère. Bonjour, monsieur. Un croissant. Merci. Lincoln, est-ce que ça va? La mauvaise nouvelle, c'est que mes lunettes ne marchent pas. C'est juste un jouet en plastique. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont amorti la chute quand mon visage a heurté le sol. Hé, je crois qu'on peut régler ma caméra en mode vision nocturne. Excellent! C'est comme les caméras qu'ils utilisent dans Arg. Bon, cette fois, j'y vais. Attends, tu vas quand même pas nous laisser ici toutes seules? Je veux dire, on va pas te laisser descendre dans la cave tout seul. Je m'appelle Cyril Victorin, j'ai 9 ans. Et je suis un élève dans l'école Anton Makarenko. Bah, bien chez Out, ça parle de neuf sœurs et un frère qui... ça forme une fratrie et tous leurs prénoms commencent par un L. S'appellent Laurie, Lenny, Luna, Luan, Lincoln, Lucie, Lana, Lola, Lisa et Lily. Je m'appelle Lisa, mon nom de famille c'est Dos Passos Santos Sacramento. Je viens d'être pâtissier comme ma mère. Savoir la recette secrète de ma mère. Parce que j'ai envie de l'être boulanger comme ma mère. Et aussi parce que j'ai envie d'être un très 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 grand boulanger. Parce que ma mère elle fait des délicieux sandwichs et des hamburgers en pain et des mini-pains. Parce que quand le bruit du train il commence à faire le bruit, bah ça me rappelle les mouvements de la musique. Parce que moi j'ai grandi en France, mon père en Brésil, ma mère en Brésil. Après personne ne comprend qu'est-ce que je suis en train de dire. Salma. Parce que j'aime bien quand je vais dedans pour dormir. Aujourd'hui j'étais excitée mais pas vraiment parce que j'ai pas beaucoup dormi. Je me retourne contre le mur et j'essaye de penser à des choses pour m'endormir ou je ferme mes yeux à rien faire. Bah, je pense à beaucoup de choses, je pense à l'école, à mes amis, à ma famille, à plein de choses. On va chez Auchan. Là, on a la boulangerie. On attend, je fais traverser. On attend. On va attendre que la maîtresse traverse. On devait pas interroger la boulangerie aussi. Okay. Je m'appelle Iliès, j'ai 10 ans. Oui, c'est ça. Parce que c'est satisfaisant. Oui, ça soulage. Je joue à FIFA, je joue à Fortnite, je regarde ma série Flash et aussi je regarde YouTube. Je regarde des vidéos marrantes. Je m'appelle Lucas. Quand j'entends des bruits de véhicules, ça m'apaise, ça me soulage et ça me calme quand je me dispute avec mon frère. Parce que mon frère et moi, on se dispute beaucoup et pour tout et n'importe quoi. Mon frère a 15 ans, n'importe quoi, pour n'importe quoi. Je vais être archéologue, donc les trajets en voiture, je crois que ce sera assez long. C'est la fontaine. La fontaine, c'est un tuyau, un gros tuyau, et tu tournes pour que l'eau elle sort. Elle est à Vallon. Oui, un peu quand je vais voir mes sœurs.
Oui, des fois on s'arrête pour aller se mouiller. Se mouiller pour parce que comme il fait chaud dehors, bah on boit et on se mouille le visage. Bonjour, je m'appelle Kram. En fait, c'est des capsules qui jettent et ça fait un bruit des où il y a du gaz, je crois, dedans, quelque chose comme ça, et ça fait du bruit. Mais c'est pas trop des pétards, c'est plutôt, mais moi j'appelle ça des pétards, mais c'est plutôt des minuscules explosions, mais ça fait beaucoup de bruit. Oui, ça fait comme des feux d'artifice. Oh, bah, tous les jours. Je pense que c'est jeune, moi. Ça dépend. En fait, ça me dérange pas et ça me... J'aime plus quand ça fait des feux d'artifice. J'espère que vous allez tous bien, ceux qui m'écoutent. Podcast réalisé par Merlot et Violette Rennery sont récoltés en juin 2020 par les élèves de CE2-CM1 à l'école Antoine Makarenko. De la blanquette de veau, de la choucroute. On est universel chez nous. Dans le cadre des actions culturelles du théâtre Antoine Vitesse d'Ivry-sur-Seine. J'aime trop le bruit. Alors là, on est en train d'enregistrer des trucs. On est universel chez nous.